Une campagne de communication a été menée auprès de la population de la presqu'île de Crozon en 2012 et 2013. Donc dans ce cadre, des réunions publiques ont été organisées avec l'ensemble de la population sur chaque commune. Et bien sûr, un agent de la communauté de communes est passé en porte à porte, informer l'ensemble des habitants de ce nouveau dispositif. Chaque foyer de la presqu'île de Crozon dispose d'une poubelle individuelle équipée d'une puce électronique qui permet d'enregistrer le nombre de levées. Le camion de collecte continue à passer donc chaque semaine au niveau de chaque maison. Pour les presqu'iliens ne pouvant pas posséder un bac individuel, ils ont accès à une colonne semi-enterrée disposée donc à proximité de leur maison et qui leur est réservée. Ces colonnes sont réservées aux ordures ménagères en sac de 60 litres maximum. Leur ouverture se fait grâce à une carte à retirer à la communauté de communes. Les gens quittant la presqu'île en dehors des jours de collecte de leur bac individuel ont la possibilité de déposer leur ordure ménagère dans les colonnes semi-enterrées à Kerdanvez, au Maros et à la gare d'Argolle. Les camping-cars ont une colonne semi-enterrée qui leur est destinée dans les aires qui leur sont réservées.